tout Hollywood, ou presque, semble soutenir Roman Polanski. Devant les studios de production au pied des collines, Chip est d'accord avec ses collègues pour dire que l'affaire fait partie du passé. Je pense qu'on devrait le laisser tranquille. Cette affaire est vraiment trop vieille. On a dépensé beaucoup trop d'argent à le rechercher. Il est temps de clore cette histoire. Depuis 20 ans, Wade observe l'industrie du cinéma en tant que critique. Il connaît bien Hollywood et il la trouve très divisée sur le cas du cinéaste franco-polonais. I'd say inside Hollywood, it feels like probably a three-way split. About a third supporting him, a third opposing him, and another third not really wanting to be bothered by it at all. Un peu plus loin, Jean-Luc Defanti est au cœur de la machine. Il est producteur sur de nombreux longs métrages et il reconnaît que l'aura du réalisateur emprisonné pèse en sa faveur, mais pas pour tout le monde. Son succès en tant qu'artiste, ça a tendance à atténuer un petit peu le jugement que les gens portent sur l'affaire. Et je pense que cette atténuation n'existe que dans le milieu de l'audiovisuel, et en dehors de ça, je pense que les gens seront stricts. Si entre l'homme de la rue et le milieu du cinéma, le débat autour du sort de Polanski divise, il rallie tout le monde en revanche autour d'une question: pourquoi avoir attendu si longtemps pour l'arrêter ?